de vous retrouver. C'est un honneur et une fierté de l'avoir parmi nous ce soir. C'est tout simplement lui qui va nous concocter un sublime repas. Et pour commencer, tout à l'heure, nous allons vous servir un velouté de petit marron avec une huile de noix un peu plus locale. Laurent Gras, merci beaucoup. Pour rejoindre le président de Fondation et le président du Cercle 1892. Ce soir, elle vous réunit tous. Le monde de l'économie, le monde du sport. Alors bien sûr, on n'aura pas la prétention d'avoir tout le monde, mais on a quand même, comme tu le disais, un petit gratin dauphinois. Bien dauphinois. Allez, bien dauphinois. Et c'est aussi les institutionnels qui sont là pour coordonner tout cela et pour aider à votre territoire de permettre d'aider à accompagner ces sportifs. Après, on a eu cette évolution avec le Cercle où on a été multidiscipline et pour arriver à aujourd'hui ce que vous voyez. Je vous demande de tenir l'applaudissement pour nos deux parrains de cette soirée, Ophélie David et Alexandre Chiron. Le Cercle notamment et tout, une grande partie des gens m'ont aidé ici pour que je puisse arriver à gagner ces deux Dakar et être champion du monde. Que des personnes qui ont réussi dans leur domaine croient en vous, vous aident, vous soutiennent dans votre projet, bah, franchement ça donne des ailes. On va recevoir des talents, des jeunes champions qui promettent, qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques, Paralympiques, c'est ce qu'on leur souhaite en tous les cas. Vous avez bien regardé vos tickets. Qui va gagner le maillot de Kylian Mbappé?